Hospitalité. Hospitalité. Wesh l'équipe, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, troisième épisode sur carrière joueur. Allez, on va, voilà, on va continuer calmement notre carrière. Franchement, j'ai joué quelques matchs sans vous, désolé. En fait, c'est pour avancer la carrière, quoi. J'ai pas joué vraiment beaucoup de matchs. On n'a pas marqué vraiment tellement de buts. Il y a beaucoup de passes décisives. En tout cas, allez, là, c'est la. Il y a aussi une nouveauté, la personnalité. Donc, coup de pied arrêté, passe décisive, passe longue, intuition. Ça, je vais ajouter intuition. Allez, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais montrer. Vous voyez, meilleur buteur. Vous voyez, j'ai déjà marqué 6 buts. Voilà, j'ai déjà marqué 6 buts. Et Messi a marqué 7. Et on a un joueur Campana. Franchement, il marque tous les buts. Et en tout cas, passeur décisif. Ça choque pas. Allez, on va jouer notre match contre. Je sais pas. On va voir. Allez, on va jouer contre le Columbus, je crois. Voilà, bah, l'équipe, on est regroupé là, on est en train de dire. Je crois qu'on est premier du championnat. Tir cadré, on demande juste un. Donc, il me faut juste un tir cadré. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug. On dirait qu'il y a un bug là. Il y avait eu un petit bug, en tout cas, vous connaissez FIFA. Et on récupère le ballon. Oh là là. J'ai eu peur parce qu'ils m'ont rattrapé rapidement. Et une autre passe décisive. Et belle passe décisive. Franchement, passe décisive, ça les anciens qu'on voit en donner beaucoup parce que je suis franchement fort dans ça. Allez, ça fait 10 passes décisives en quelques matchs. Je crois qu'on n'a pas vraiment joué, même pas plus de 10 matchs là. J'ai déjà 10 passes décisives. Attention, pour la note du match, voilà. Pour la note du match, les guys, je vais vous donner une astuce. Récupérer des ballons. Ouais, essayez de retourner en défense, récupérer quelques ballons. Il booste. Franchement, l'entraîneur adore quand vous revenez en défense, aider la défense. Il vous augmente la note, en tout cas. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Et je crois que, voilà. Ça permet aussi à mon joueur d'évoluer un peu plus vite. Allez, c'est parti. Franchement, je joue. En train de très mal jouer là, je perds des ballons faciles, je crois que voilà. Et le match est terminé 2 buts à 0 les guys. On gagne, ça fait que des matchs qu'on est en train de gagner, on n'a pas encore perdu. C'est voilà, ça devient choquant moi qui je deviens remplaçant les guys. Et oui, je m'attendais à ça parce que franchement, je suis pas de très bien jouer les matchs. Ouais, je suis pas en train de très bien jouer les matchs, mais je donne des passes décisives pourtant et j'ai des bonnes notes. Je sais pas pourquoi le coach, peut-être parce que je complète pas les objectifs du match. Il faut que je régale les objectifs du match et voilà, je les complète. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je les passe. J'ai dû passer. Pourquoi j'ai voulu tirer? Et le but, Campana qui marque un autre but, c'est juste. Ouh là là! Pourquoi j'ai pas pu marquer ce but? Franchement, là, j'ai super bien joué. Qu'est-ce qui m'a pris? Ah là là, je sais pas, j'aurais dû tirer. Je vais tirer en finesse, il fallait que je tire simplement. Et c'est parti pour la deuxième partie. Toujours 1-0, franchement, je galère les gars, je galère cette fois-ci. Je sais pas quel est le problème.
et on prend un but. On prend un but franchement bête là. Il n'y avait personne sur lui, personne ne l'a vu venir. Peut-être c'est moi qui l'ai vu le signe, je ne sais pas. Alors là, il faut que je récupère des points parce que là, je suis à 6-8. Allez, je suis remplacé. Je suis remplacé, voilà. Franchement, j'ai tout donné, les gars. J'ai récupéré 4 fois le ballon. Et là, c'est la passe décisive. En tout cas, les passes décisives, on est super fort. Mais voilà, pour marquer, c'est encore un problème. Alors là, franchement, je l'ai vu complètement libre. Les courants, les gars. Courant. Oh là là, une deuxième passe décisive en tout cas. Voilà, je crois que on regagne un peu la confiance du coach là, parce que là, pour le moment, je vais essayer de passer. Je vais commencer à passer et ensuite essayer de marquer après, parce que quand tu essaies de marquer avant, ça marche pas. Et ça fait une note de 9-8. J'espère que je vais la garder jusqu'à la fin. Et pourtant, je peux passer aussi le match jusqu'à la fin et pas tout le jouer, parce que voilà, comme ça, ça me permet de garder ma note. Ouh, le poteau. Là, je n'avais plus aucune solution. En fait, je me suis dit, j'y vais, je tire. Allez, non, c'était pas fini, c'était la mi-temps. C'était la mi-temps, désolé. J'ai cru que c'était fini. Ouh, le dribble. Et petit peu pour Campana. Aïe, 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 Campana n'a pas pu marquer. Et le but. Passe décisive encore une fois. Franchement, j'ai donné 3 passes décisives aujourd'hui. Voilà, voilà. Regardez la passe décisive. Il a d'abord raté. J'ai cru que la balle allait venir sur moi là. C'est parti, l'équipe, les joueurs se préparent. On doit tirer au moins 2 fois, réussir 5 passes, ça sera facile. Donc voilà, ça, ce sont des trucs qu'il faut nous demander. Il ne faut pas nous demander des récupères de ballons, des trucs compliqués, non. Demander des choses faciles. Et on prend un but. On prend un but sur perte de balle. Sur ma perte de balle là. Voilà. Mouktar. J'ai pas vu le but d'ailleurs, mais j'ose imaginer comment c'est entré. Franchement, le gardien là, c'est lui qui nous a vendu. On prend un but, franchement bête, les gars. Le match est terminé, les guys. On perd notre premier match. On perd notre premier match championnat. Ouais, ouais, il fallait que ça arrive. On commence à galérer, franchement. Mais bon, ça va. On peut passer. Continuer, on va voir. En tout cas, je crois qu'on est tout le temps premier. On perd quelques points, mais moi, je comprends pas le coach. J'ai rempli les objectifs et il me diminue aussi. Voilà, on est premier, 28 points. On a eu 2 défaites en fait. C'est pas la première. Je me rappelle pas l'autre défaite. Je jouais pas. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais progression du joueur. Je vais augmenter un peu les passes. Allez, je vais augmenter aussi un peu le dribble. Et les poumons aussi, endurance.
Donc voilà, je crois que on va terminer notre vidéo par ici. On se retrouvera à l'autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner les guys. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à plus.